parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. De vous retrouver évidemment tous les matins dans cette émission, les GG avec vous jusqu'au port de 11h. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets avec plaisir. Un peu plus tard, sous les coups de 10h, nous allons relayer vos propos évidemment ici à Espace. Vous nous regardez à la télévision, vous nous écoutez également à la radio. Merci à vous tous à l'international. Si vous êtes à Bokeh 99.7, vous êtes du côté de Mamou Fraternité FM, relais cette émission. Vous êtes à Farana, Bambou, relais l'émission évidemment. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs, pour réagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag espace GG, le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Si vous nous écoutez à la radio, avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans notre émission les GG. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le chef de file de l'opposition guinéenne a meublé son cabinet. Mamadou Sylla a fait preuve d'une grande ouverture, même ceux qui n'avaient pas reconnu parfaitement l'actuelle Assemblée nationale ont accepté de travailler avec lui pour, dit-on, apaiser le climat politique. Le président de l'UDG, il faut le dire, et désormais collaborateur, ont entamé donc cette semaine des discussions avec le gouvernement en vue d'obtenir la libération des opposants. Et de ceux-là fait partie donc le président du bloc libéral depuis la fin de la présidentielle, cet opposant connu pour son intransigeance, on va le dire comme ça, à l'égard du pouvoir en place, décide de calmer le jeu. Il s'inscrit donc dans une dynamique de réconciliation et d'unité. Il dit avoir fait le constat du danger que représente la crispation et l'ethnisation donc des débats politiques. Docteur Faya Milimono, c'est lui qu'il s'agit. Il est l'invité des GG ce jeudi, mesdames et messieurs. Docteur Faya Milimono, président du BL, il sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Un mot de culture, nous projecteurs évidemment ce jeudi sur Mama Diabaté, la biche du Mandingue. Elle est incontestablement, il faut le dire, l'une des figures de proue de la musique guinéenne, griotte, parolière, musicienne et polyvalente, oui, interprétée donc entre autres beaucoup de tubes dont vous vous rappelez forcément Mayeye, entre autres, et Sanaku, Tolon, vous disent toute la portée des messages évidemment qu'elle véhicule dans ses chansons. L'artiste cherche à pérenniser ses œuvres. Oui, on essaie de la voir ce matin dans cette émission un peu plus tard. Mesdames et messieurs, elle sera avec nous aussi dans la deuxième partie. Merci de nous rejoindre. On va se concentrer et on va mettre les téléphones de côté, sinon on les récupère. C'est aussi simple que ça. Daouda Mohamed Camara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à cette autre blessure de ce matin. Voilà. Terrible. Le jeune premier, Diba Minimono. Bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Très joli. Merci beaucoup. En tout cas, il faut arrêter le process de blessage. Sinon, tu risques après d'envoyer tout le monde à l'hôpital. Tu n'as pas et tu gères. Cabinet dit ce matin, l'hôpital est plein. C'est fini aujourd'hui. Bien. Dieu merci. En tout cas, c'est joli. Merci. Bravo à celui qui le confectionne. Ouais. C'est magnifiquement fait. Ouais. C'est bon de savoir qu'il y a des talents en Guinée. Il y a des talents en Guinée déjà. C'est important. Voilà, pendant qu'on y est. Bonjour Jacques Léon. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bon, donc, on est même, c'est Don Fof Fashion évidemment qui m'a habillé toute cette semaine. Voilà, il est ici à Cousa et voilà, qu'on va donner le numéro de téléphone à la fin de l'émission. Don Fof Fashion, il s'appelle. Voilà. Ouais. Allez, on s'intéresse à l'actualité. Yiba, vous avez suivi hier sur le terrain évidemment, Mathurin Bangoura s'est fait agresser du côté de la Sigma Dina. On croyait une zone interdite. Non, ce n'est pas le cas. On a écouté le ministre Kourouma là-dessus. Oui, vous savez, beaucoup attendaient quand même le gouvernement depuis le lancement de ces opérations de déguerpissement et le long des emprises de la route, mais aussi des encombrants physiques. Ouais. On attendait les autorités à la Sigma Dina parce que beaucoup disaient que c'était une opération de deux poids, deux mesures. Sauf qu'hier, les machines sont en fait arrivées au niveau de cette zone. Ouais. Et nous, on a vu hier les images sur Espace TV où quand même les commerçants demandaient à ce que les autorités acceptent de leur donner 24 heures pour qu'ils puissent un peu vider les boutiques. Ouais. Il y a eu quand même une montée de pression. Voilà, l'atmosphère était un peu plombée. Mmh. Mais sauf qu'à la dernière minute, finalement, les autorités ont pu quitter les lieux pour permettre aux citoyens de sortir un peu les marchandises. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que
Certes, c'est une zone qui est taxée être proche du pouvoir. Ouais. On a écouté le ministre qui disait on ne quitte pas la zone parce que tout simplement, Sigma Dina, c'est un bastion du régime en place. Mais c'est parce que tout simplement, ils ont porté des exigences devant les autorités, les laisser sortir un peu le matériel. Donc, ce qui fait que nous décidons de faire machine arrière et demain, on va continuer cette opération, en tout cas, de déguerpissement. Maintenant, il y a une information qui a filtré comme quoi qu'un citoyen aurait porté la main sur le gouverneur de la ville de Conakry. On a vu des altercations quand même. Des altercations quand même. Ouais. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que le gouverneur était quand même dans une communication de dire attention, je suis quand même un homme en uniforme, j'ai des gardes-corps. Je ne peux pas venir dans un endroit et me faire agresser comme ça. Et donc, moi, j'ai quand même eu la chance d'échanger avec certains membres de son entourage qui m'ont dit comme quoi, attention, il n'y a pas eu d'agression vis-à-vis du gouverneur. Ouais. Mais quand même, il y a eu quelques altercations parce que les gens se disaient, bon, le timing n'était pas bon. Les esprits étaient vraiment très chauds. Très chaud. Ouais. Donc, c'était quand même chauffé à blanc parce que les gens disaient, on n'a pas été informés en amont. Donc, il faut nous donner le temps de sortir un peu le matériel. Donc, je pense que c'est une décision gouvernementale qui s'impose à tout le monde, même si on peut faire un rapprochement aujourd'hui entre le président et cette zone, parce que n'oubliez pas, si on prend l'histoire, quand même, il vient de là. Point de vue, son enfance, ses études en France, son retour en Guinée, on sait quand même qu'il a une attache historique avec cette zone-là. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a des élections, souvent, ce sont des zones qui sont acquises quand même au RPG. Maintenant, l'un dans l'autre, c'est une opération de services publics. Aujourd'hui, on veut quand même donner de l'espace. C'est pas une zone de non-droit. Donc, il faut le rappeler. Nous sommes en Guinée. Si on dicte des zones pour dire attention, cette zone, l'État ne doit pas y venir, c'est qu'on est dans un État failli. Et dans un État failli, ça veut dire tout simplement l'État ne remplit plus ses missions régaliennes, c'est-à-dire la protection des citoyens, le contrôle de son espace géographique. On ne peut pas imposer ça à l'État. Parce que c'est l'État qui détient un peu le monopole de la violence légitime. Et c'est ce qui s'est fait hier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils vont revenir. Ils vont lancer quand même les opérations. Et lorsque je parle de violence légitime, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir s'attaquer aux citoyens, mais de faire respecter la loi et d'inviter les citoyens à comprendre une chose, cette zone appartient à l'État. Et si on veut lancer des opérations de démolition ou de déguerpissement, eh bien les citoyens doivent souscrire. On a vu à Kaloum déjà, on a vu madame qui a commencé un peu le pavage. Ils ont commencé les opérations de pavage. Je pense que cette opération va se poursuivre parce qu'on se posait beaucoup de questions. Est-ce que les autorités ont un plan d'aménagement? Non, il n'y a pas de plan. Justement, hier, Jacques le disait ici. On a écouté le maire de la commune de Matoto. Justement. Il est pataugé dans tous les sens. Et qui, quand même, le vendredi dernier, je me souviens, lorsqu'on a posé la question, est-ce que vous avez un plan d'aménagement? Parce qu'il ne s'agit pas de déguerpir les citoyens. Mais est-ce qu'il y a un plan d'aménagement qui existe? Alors, il a louvoyé, il a évité la question. Donc, ce qui veut dire, ce qui laisse à croire qu'aujourd'hui, les autorités sont dans une option de tout casser, mais il n'y a pas de plan d'aménagement. Donc, si tel est le cas, eh bien, il risque d'avoir l'effet boomerang. Les citoyens vont dire ils sont venus nous déguerpir. Nous, on gagnait notre vie à traverser ces boutiques, ces zones qu'on occupait. C'était de l'emploi pour beaucoup de jeunes. Et lorsqu'on casse et qu'on ne propose rien, attention, ces citoyens soit risquent de revenir, où il peut y avoir en tout cas une levée de bouclier dans le pays. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Donc, je pense qu'en amont, il faut que dans ce pays, lorsque l'État décide de prendre des décisions, il faudrait les mûrir, faire une réflexion, faire une planification et prévoir des projets et les sources de financement. Si cela est fait, je pense qu'on peut procéder step by step, comme le disent les Anglais, à ces opérations de démolition. Mais si tel n'est pas le cas, je pense qu'aujourd'hui, on va retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes situations. On va toujours casser et bien Renova sortir un peu de cette terre. Donc, ce qu'il faut éviter maintenant pour Sigma Dina, je pense qu'aujourd'hui, l'opération va reprendre parce que les gens sont aux aguets, ils sont en train d'observer le gouvernement pour dire une fois encore, il ne faut pas que ça soit du deux poids, deux mesures. Ouais, mais ben, même si c'est tout comme, hein, voilà. Allez-y. Non, c'est vrai aujourd'hui qu'on veuille dire qu'on a replié juste pour permettre aux gens de sortir des marchandises des boutiques, mais ça n'a pas été le cas à Matoto, ça n'a pas été le cas à Kaloum, ça n'a pas été le cas à Ratoma, ça n'a été le cas nulle part, qu'on vienne, qu'on commence et qu'on permette aux gens de sortir qu'on argumente, qu'on replie pour permettre aux gens de sortir les marchandises des boutiques et magasins. Les boutiques et magasins ont été couchés, les conteneurs ont été couchés il y a quelques jours. Les gens n'ont pas eu le temps, tout le temps nécessaire de sortir les marchandises. Ça a été le cas à Matoto, ça a été le cas à Koya où on est allé sortir les gens, casser des maisons sur des biens des gens dans les maisons. Ils n'ont pas pu sortir leurs biens. Donc aussi, c'est à Madina, on dit que non, on replie pour permettre aux gens de sortir les marchandises des boutiques. Ça veut dire que
les altercations qu'il y a eu à Madina ont conduit à ce repli des autorités, du ministère. T'as mieux alors, on va dire t'as mieux alors. T'as mieux, mais on aura fait du tort à d'autres. Ah oui, mais ce serait bien, parce qu'il leur permet de... On aura fait du tort aux autres, on aura fait du tort à ceux de Matoto, à ceux de Dixine, à ceux de Ratoumaï et autres. Et qu'on accepte de dire qu'on a replié parce qu'il y a eu ces altercations. On a replié pour cela. Mais on n'a pas replié pour permettre aux gens de sortir les marchandises des boutiques. Ouais. Je le disais, aujourd'hui, on n'a pas un plan qui nous dise que voilà ce qu'on veut faire de Conakry. On aurait vu le plan, on aurait accepté d'adhérer. Parce qu'on sait que voilà, on nous a présenté quelque chose, on nous déguerpit ici par rapport à quelque chose. Aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois. C'est qu'on touche à tout et partout en tout temps. Ouais. On pouvait prendre par exemple la commune de Kaloum. Comme commune pilote, on travaille là, on déguerpit, on travaille tout de suite et tous les moyens, toutes les énergies sont concentrées à Kaloum. Ceux de Matoto, ceux de Matam, de Dixine, de Ratoma verront que le travail qui a commencé est bon. Ouais. On peut accepter, progressivement, on fait adhérer la population. Mais lorsqu'on veut toucher à tout et à tout moment, et au même moment, je vais dire, et on s'attend à des résultats qui nous permettent d'avoir l'adhésion des populations, je me dis que c'est une politique qui n'est pas bonne. Il faut aller progressivement. Surtout qu'on dit qu'on n'a pas d'argent. Si on n'a pas d'argent, consacrons les énergies à des endroits précis. Et c'est là progressivement pour obtenir l'adhésion des uns et des autres. Mais bien, à cette allure, il ne faut pas s'attendre à grand chose parce qu'on va casser, les gravats vont demeurer pendant longtemps et on va encore revenir et se réinstaller et on va casser encore. Ça va être le serpent qui s'est mort la queue. Bien, merci beaucoup Daouda Mohamed. Allez-y, Mafoudi Abangoura. Alors moi je pense que tant qu'on peut éviter de faire mal, il faut éviter. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs au début dans ces opérations de déguerpissement. Dans certains quartiers où on venait déguerpir, il y a des familles qui ont dû perdre beaucoup de choses. Donc, à Madina aujourd'hui, dans SIG, on a des Guinéens qui ont investi beaucoup d'argent. Certes, peut-être que à leur niveau, ils se disaient, parce que c'est la SIG Madina, peut-être qu'on ne nous toucherait pas, donc on va rester comme ça. C'est certes une erreur de leur part, mais en même temps, si on peut leur permettre de sortir leurs biens, ces marchandises qu'ils ont, parce que c'est de l'argent. L'État ne peut pas quand même se permettre, quelle que soit la volonté, de marcher sur ces produits. Donc, un jour de plus, moi je pense que c'est raisonnable, on leur permette de sortir tout ceci et de poursuivre ces opérations de déguerpissement. Je ne sais pas, depuis que ça a commencé, je ne me rappelle pas avoir vu Mathurin et le ministre Kourouma en même temps sur un terrain. Peut-être que eux-mêmes, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, beaucoup se disaient que la SIG Madina était peut-être une zone non touchable. Et lorsqu'ils étaient hier, on a écouté le ministre Kourouma qui était clair. Et c'était une manière pour eux de donner le temps de dire, écoutez, on a commencé cette opération. Ce n'est pas qu'une partie de la Guinée, toutes les parties de la Guinée sont concernées. Et même aussi pour parler de ces opérations de réaménagement, il y a ces zones qui n'ont pas besoin de réaménagement. Parce que quand on rentre dans les quartiers, la dernière fois, moi j'étais à Bonfi, c'est des coins où on ne peut même pas circuler dans les quartiers parce que les boutiques sont venues. Donc lorsque ces coins-là sont libérés, on les libère simplement, on n'a même pas besoin d'aménager parce que c'est des espaces. Non, oui, c'est des espaces de passage. Effectivement, il faut simplement libérer pour que les voitures. Mais on les casse complètement. Donc on n'a même pas besoin de réaménagement. C'est des zones de piétons. Exactement, c'est que tout est occupé par les boutiques. Ouais. C'est vrai, aujourd'hui, on a vu du côté de Kaloum avec la dame où on a commencé les zones de pavage et autres avec les parkings. Tout ceci est à saluer, mais en même temps, ce que je veux dire aux Guinéens qui sont à l'écoute ce matin, c'est de ne pas attendre parce qu'il faut éviter en même temps les problèmes. Il y a des maisons qui ont été cochées. Ouais. Préparez-vous parce qu'après, c'est difficile de se retrouver dans une sorte de violence comme ce qu'on a vu hier du côté de la SIG Madina. Préparez-vous et en même temps, à l'État, justement de ne pas tomber dans cette histoire de favoritisme, parce que si on le fait, c'est quelque chose déjà par endroit, on accuse l'État d'avoir coché. Ça ne ressemble pas à Ibrahima Kourouma. Veux bien le croire, mais c'est que par endroit, on entend certaines personnes déjà accuser l'État de favoriser certaines parties, par exemple certaines habitations, quand c'est très bien bâti, on coche, mais après on vient mettre la peinture, donc la partie là est laissée. C'est des accusations. Ça reste à voir. Moi j'ai vu
des bâtiments équipés qui quand même appartiennent à la personne qui serait de mèche avec les hauts dignitaires. Mmh. Ce sont des maisons qu'on a complètement omises. Justement, ouais. C'est voilà, ce qu'il faut forcément éviter. Mais il y a même la boutique du ministre Kourouma qui a été touchée. Hein, donc touché, mais m'apprend-on donc à voir. Oui, on a vu ces images. La clôture de l'hôtel Palm Kamen a été cochée et on a repassé la peinture. Ben c'est ça, justement. Lorsque vous cochez en même temps, parce que après, ce sont des petites choses qui changent tout. Lorsque un simple citoyen voit sa boutique démolie et après voit une croix sur un bâtiment comme de tels bâtiments, et puis après il y a rien, c'est pour de bon, cette personne se trouvera dans une situation dénoncera ce qu'on peut qualifier de discrimination. Justement, c'est ce que l'État doit éviter parce que c'est assez dur déjà. Faire beaucoup de frustrés. Exactement, c'est assez dur. L'opération est dure, mais bien que c'est noble, donc ce qu'il faut éviter, c'est de faire douter les Guinéens sur l'objectif, sur la nécessité de le faire, donc faire les choses dans les règles de l'art. Après, évidemment, tout dépend de la suite qu'on va donner, parce qu'après, si on laisse, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il n'y a jamais eu ces genres d'opérations. Ouais. Moi, je me rappelle, on a dégarpi, mais c'était des petites boutiques, mais regardez, aujourd'hui, à Sangoya, les boîtes de nuit et autres qui étaient tout rasées, ça, c'est une première, je pense, depuis que le président est là, donc de facto, il faut pouvoir aménager immédiatement, sinon ce serait une perte de temps énorme et surtout une perte d'argent pour des Guinéens. Mais si c'est des zones réservées pour les piétons, on n'a pas besoin de raménager, il faut rappeler, allez-y. Il faut quand même aménager, parce que c'est aux abords de route, il faut quand même mettre, si on ne peut pas bitumer, il faut quand même faire du pavage comme la dame est en train de le faire à Kaloum, je crois que ça peut être non seulement joli, et puis ça peut avoir une certaine utilité. Pour ce qui s'est passé hier, il faut être d'accord là-dessus. Il y a eu un recul du pouvoir, parce qu'ailleurs, il n'y a pas eu, si vous voulez, ce genre d'attitude. Imaginez quand on est allé à Dubreka, où il y avait des habitations, mais c'est des maisons pour certains, quand même, c'était des véritables maisons. Mmh. On est venu en 72 heures, et puis on a cassé, on n'a pas demandé quoi que ce soit. Il y a certains qui n'ont pas eu le temps de sortir, n'est-ce pas, leurs habitations. Donc le problème, c'est qu'il ne fallait pas commencer avec ce genre d'attitude. Peut-être qu'il fallait donner quelques jours de plus pour permettre, n'est-ce pas, à tout le monde. Donc parce qu'on a commencé, il faut continuer. C'est pas ce que j'ai envie de dire. Mais il y a eu un recul. Donc il faut être d'accord là-dessus. Oui. Peut-être c'est bien pour les personnes, mais si on a déjà été injuste à l'égard de ceux qui n'ont pas eu ce temps-là, il faut être d'accord là-dessus qu'il y a eu, si vous voulez, du favoritisme à l'égard des occupants de la Sigmadina. Déjà, tout le monde attendait. Les gens disaient, est-ce qu'ils vont toucher Sigmadina? Et puis que le gouvernement arrive sur le site et fait face à une opposition, une résistance, recul pour donner 24 heures, je crois que ça n'a pas d'autres explications. C'est un recul tout simplement et c'est du favoritisme. Et l'autre chose que je voudrais dire, nous n'avons pas de visibilité par rapport à la distance que le gouvernement s'autorise à prendre aux abords de route. Parce que si on savait que c'est 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, là on a une idée assez précise. Mais là on vient, on casse. Vous allez à certains endroits, on entre vraiment en profondeur. En allant vers Sangoya, là, vous voyez du côté où il y avait des boîtes de nuit. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a vraiment voulu détruire les boîtes de nuit. Non, mais c'est dans la cité. C'est quand même un... C'est dans la cité, donc c'est pour l'État, il faut le rappeler. Oui, d'accord, c'est pour l'État, mais, puisque c'est aux abords de route. Non, je ne peux pas contester pour contester. Mais quand même, si vous regardez un peu. Je suis en train de parler des abords de route. Mais j'ai bien compris. Mais si vous regardez un peu. Oui, mais si ils ont construit dans la cité, ils n'ont pas le droit. Si vous regardez, par exemple, c'est plein de guerres. Non, si c'est aux abords de route. Il n'y a pas de nom, mais Jacques. Non, mais il faut qu'on. Je te dis, c'est dans la cité. Si vous regardez. Je suis en train de parler des abords de route. J'ai bien compris. Je suis en train de parler des abords. Oui, d'accord. De toutes les façons, là-bas, vous allez dire que c'est la cité, mais ce n'est qu'un exemple. Il y a beaucoup de situations comme ça où, vous voyez, on entre beaucoup plus en profondeur à certains endroits et de l'autre côté, on n'entre pas en profondeur. Ça entre dans le cas, justement, de ces maisons qui sont bien construites. Par des personnes qu'on ne veut pas toucher, qu'on laisse notamment, véritablement. Je crois que ce genre de situation. On nous parle de la construction. Le secrétaire général du ministère de l'Industrie à Dixine qui a été épargné. Il y a des maisons comme ça qui sont épargnées. Les grandes gueules. Même si ce sont des propriétés, disons, si vous voulez, des personnes fortunées ou par exemple un hôtel, on a investi beaucoup d'argent là-dedans. Mais à un moment donné, lorsque c'est dans le même alignement que d'autres maisons qui sont devant, je crois.
pourquoi il faut bien entendu dire l'État a commis l'erreur d'accepter que Palm Camayenne sorte sa cour jusqu'à ce niveau. Donc il faut casser. Palm Camayenne a suffisamment de moyens pour refaire, n'est-ce pas, sa cour à l'endroit où il faut, n'est-ce pas, se l'autoriser. Mmh. Encore une fois, les Guinéens ne s'opposent pas à un plan d'aménagement de la ville de la ville de Conakry. Bien. Le seul problème qui se pose, c'est de savoir que après ces casses-là, il y a un travail qui sera fait. Bien. Parce que si on n'a pas de visibilité là-dessus, il faut pas seulement dire bon, il y a certains endroits, il faut seulement casser, c'est pour libérer. Non, 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 il faut aménager. Parce que si vous n'aménagez pas, c'est comme si vous aviez fait du tort aux gens pour rien. Bien. Et, allez-y. Ils se font violence pour aller à ces opérations de déguerpissement. Parce qu'effectivement, quel que soit l'objectif, ça fait très mal. Alors que les autorités guinéennes aussi se fassent violence sur, je ne sais pas, cette construction au niveau de nos plages, qu'on arrête, qu'on nous laisse respirer. Moi, c'est quelque chose à laquelle vraiment je tiens parce que Matam, aller à Matam, des hôtels, des constructions, on ne respire plus la mine. Ouais. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'il va falloir contrôler. L'air ne rentre plus dans la capitale parce que c'est des buildings, je ne sais pas de quelle hauteur, qui surplombent au niveau de nos plages. Et là, on, à l'intérieur, on étouffe. Je pense que c'est quelque chose aussi sur laquelle il va falloir veiller. Mmh. Il ne s'agit pas que de régler à l'interne. Il faut en même temps prendre des dispositions pour nous permettre d'être bien dans notre capitale, dans nos maisons. Ouais. On ne respire plus. Arrêtez de donner nos airs seulement, ou je ne sais pas, aux fortunes. Permettez, on n'a même pas des espaces de promenade, de sport. Des allez à Dakar, allez en Côte d'Ivoire. Et ça, surtout, c'est de la responsabilité du ministère de l'Environnement, mais quand aussi même. De l'Habitat. Ouais. Parce que quiconque doit occuper ces zones, normalement, il faut un permis non, pour mais, construire. Je suis vraiment surpris ce matin de la réaction de Mafoudi. On a vu cette sortie médiatique ici. Oui. Ce monsieur qui a fait. Justement, Richard, et qui a été après. Complètement, ouais. Voilà, qui a été complètement. Je comprends, mais en même temps, on l'a complètement décapité. Mais ce qu'il faut quand même dire sur l'occupation de ces zones, c'est que si vous prenez le code de l'environnement guinéen, normalement, le ministère de l'Environnement et de l'Habitat doivent travailler en synergie. Hmm. Et c'est ce qui manque parce que chaque département se dit attention, l'autre est en train de marcher sur mes plates-bandes. Maintenant, l'un dans l'autre, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que la sortie de monsieur Richard était venu jeter un coup de projecteur sur ces zones d'ombre. Parce qu'il a touché du doigt la réalité. Ouais. Nous avons aujourd'hui des sociétés chinoises qui occupent ces zones. Vous avez des ministres qui occupe également ces zones. Et normalement, il y a 20 mètres qu'on devrait avoir vis-à-vis un peu de ces eaux. Cela n'est pas respecté. Bien. Donc, ça veut dire que ça a un problème non seulement environnemental, ça a un problème environnemental, ouais. Mais après, il y a une pression qui est là aujourd'hui. Donc, il faudrait que le ministère de l'Environnement, mais aussi de l'Habitat, en synergie, que chacun puisse quand même respecter sa mission, que l'autre, en construisant. Non, mais ils n'ont pas envie de respecter. Le ministère de l'Environnement démissionne, et celui de l'Habitat excelle dans les casses. Et aujourd'hui, normalement, c'est l'habitat surtout qui est en train de pêcher dans le scénario. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'autre est devenu amorphe au Yigilavogui, qu'on entend de moins en moins sur ces zones. Peut-être qu'ils vont aussi commencer des casses à ce niveau. Ouais. Mais attention, ce sont des sociétés chinoises, mais également des ministres qui occupent malheureusement ces zones-là. Voilà, les zones de non-droit. Allez-y, Daouda, pour 30 secondes. Oui, sur ce cas, ce ne sont pas que des Chinois. Il y a même des Turcs qui viennent investir, qui sont des vrais fortunés, des Libanais qui le font. Mais c'est qu'on le dit, on le dira, on en dira encore plus. Bien. Et ça n'aura aucun effet parce que ce sont des ministres. Peut-être ce sont que le gouverner autrement peut nous offrir autre chose. Wow, j'attends c'est bien de voir. Possible. Lorsque voilà. la maison dans cette opération, la maison d'un secrétaire général d'un ministère est épargnée, vous voyez bien ces immeubles tomber. Ça, je m'en doute fort. Bien. Vous êtes chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Événement Adinfomédia. Le début d'année est difficile, les affaires sont en baisse. Adinfomédia a pensé à vous pour entamer l'année avec enthousiasme. Avec le promo booster, votre spot sur nos radios ou nos télévisions sera diffusé en emplacement préférentiel contextualisé. Êtes-vous prêt à faire de bonnes affaires et associer un second spot créé sur mesure ? Les avantages ? Avec ce dispositif, Adinfomédia s'appuie sur la contextualisation et la répétition pour optimiser l'efficacité de vos produits promotionnels sur Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM et Calac TV. N'hésitez pas, profitez dès maintenant du promo booster Adinfomédia. Vous payez un spot et le second est offert pendant 2 mois. Contactez-nous au 00 224 628 06 06 60 sur notre site espacefmguinée.info ou sur Twitter et Facebook.
Tous les matins également, évidemment, sur Radio Espace, mais aussi hein, sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant. Oui, l'actualité dominée, vous le savez très bien, politique. Le chef de file de l'opposition guinéenne a meublé donc son cabinet. Mamadou Sylla a fait preuve d'une grande ouverture, même si ceux qui n'avaient pas évidemment reconnu le Parlement actuel ont accepté de travailler avec lui. Donc on va essayer de comprendre ce matin avec notre invité de ce matin, qui n'est autre que Dr Faya Milimono, président de BL, il sera avec nous dans cette émission, dans la deuxième partie. Un mot de culture, nos projecteurs évidemment c'est jeudi sur Mama Diabaté. Elle est incontestablement l'une des figures de proue de la musique guinéenne, griotte, parolière, musicienne polyvalente, interprète et auteur de grands tubes. Elle nous sera avec nous évidemment ce matin dans la deuxième partie, mesdames et messieurs. Moussa Moïssi là nous a rejoint, un vrai dragueur. Allez, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin, Moussa? Bien. Voilà. Morphée, vous ne voulez pas me lâcher, mais je me suis battu. Eh bien voilà, donc ça arrive comme ça, il y a les matins comme ça, mon cher Moïse. Avant de s'intéresser, évidemment, parce que on va encore continuer avec ton enquête un peu plus tard, affaire cocaïne saisie, on en parlera un peu plus tard. Mais d'abord, nous allons partir sur le terrain à Pamlap, exactement, à Mamadou Souf, si vous le voulez bien, d'où nous attend donc Mamadou Salouba, qui nous allons appeler ce matin. C'est la voiture aujourd'hui. Nous sommes jeudi, mon cher Moïse. Nous sommes jeudi, je pense que c'est le jour J. Ça va certainement faire l'objet d'une cérémonie solennelle. Ça a déjà commencé. Voilà. Exactement. Donc, Donc, c'est même fini déjà. Il faut donner tout le symbole qui s'y est à cet événement parce que nos populations des différents côtés ont souffert énormément de cela. Ouais. Ceux qui sont dans le transport entre ces deux pays qui transportaient beaucoup de marchandises et beaucoup ont perdu également de l'argent, des fonds lors de cette fermeture, notamment ceux qui transportaient des denrées périssables. On a écouté le cri de cœur, on a pu voir un peu les marchandises qu'ils transportaient. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement, c'est une petite fête du côté de Pamlap. Et ensuite, ça va permettre aussi à nos industriels qui essaient d'étendre un peu leurs tentacules au-delà de nos frontières nationales. C'est le cas du groupe Sonoco qui avait déjà un pied du côté de la Sierra Leone, qui est en train de prospecter aussi du côté de Libéria, parce que quand on parle un peu de la faiblesse de notre monnaie, du franc guinéen qui est glissant tout le temps, et bien c'est parce que nous n'exportons absolument rien. Si pour une fois nous avons quelques entrepreneurs tels que ce groupe et bien d'autres peut-être que je ne connais pas qui essayent de vendre un peu le savoir-faire guinéen, je pense que cette rouverture va leur permettre un peu d'asseoir cette base du côté de la Sierra Leone. Ouais. Donc qu'on n'oublie pas, à côté de cette cérémonie solennelle, qu'on n'oublie pas les questions majeures qui ne se disent pas devant les caméras, qui ne s'écrivent pas, des questions qui sont liées, bien entendu, à la sécurisation de nos différentes frontières. Parce que ce sont des zones qui sont poreuses et les individus qui connaissent l'histoire un peu de ce pays savent que tout peut ressurgir à n'importe quel moment. Donc les questions liées à la sécurité ne doivent pas être omises. Voilà, nous partons sur le terrain, Diba Milimono. On va le saluer au bain en direct. Les grandes gueules. Mama Saliou, bonjour, merci de nous rejoindre dans les grandes gueules. Vous êtes à Pamlap, dites-nous, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que finalement les deux parties sont arrivées un peu au lancement de ce qui était annoncé aujourd'hui? Oui, bien sûr, la décision prise ce dernier jour a été effective ici à Pamlap, à la frontière avec la Sierra Leone. Comme prévenu, à 8h, la frontière a été rouverte avec la Sierra Leone. Il faut dire que ce matin, le coup de klaxon était beaucoup plus, on entendait beaucoup plus le coup des klaxons que le bruit des moteurs. Les chauffeurs sont contents parce qu'ils ont passé au moins quelques 3 mois ici à la frontière, bloqués. Il y a certains qui ont des marchandises qui ont déjà pourri. Mais les conducteurs, il faut le dire, ils sont contents, mais ils n'oublient pas la galère qu'ils ont vécue ici. 3 mois, ce n'est pas 3 jours. Ils ont des marchandises, ils ont aussi des apprentis qu'il faut nourrir. Donc, c'était vraiment très compliqué pour ces personnes. Mais aujourd'hui, depuis le début du principe, on a reçu, on a pu interviewer des conducteurs qui nous ont parlé de leur souffrance. Mais une souffrance qui va peut-être passer avec cette question prise ces derniers jours.
Voilà. Mohamed Salouba, en direct de Pamela. Parlez-y, mon cher Moïse. Et comment cette cérémonie s'est déroulée? Est-ce qu'il y a eu une rencontre entre deux autorités des différents pays frontaliers? Bien sûr, le préfet de Forikari a été sur place et avec quelques autorités aussi du côté de la Sierra Leone. Ensemble, ils ont célébré la réouverture de la frontière entre les deux pays. Alors, le préfet nous a laissé comprendre qu'il y aura des patrouilles transfrontalières des deux côtés de la frontière parce que ce qui peut arriver à la Sierra Leone peut aussi arriver à la Guinée, c'est ce qu'il a dit. Pour ne pas modifier ses propos, il a dit que le malheur de la Sierra Leone est aussi le malheur de la Guinée. Donc, il y aura des patrouilles des deux côtés et aussi il appelle les conducteurs, les usagers à respecter les mesures barrières et à accepter de se faire contrôler au niveau des frontières. Voilà. Mohamed Salouba en direct ce matin du côté de Pamela. Vous allez avoir plus de détails évidemment dans nos éditions d'information sur Radio Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Sur Espace TV également, on a écouté, hein, salut mon cher Kiba. Oui, tout à fait, c'est la conséquence directe d'abord de cette rencontre en Sierra Leone entre les autorités guinéennes mais aussi Sierra Leonaise. Oui. Et cette délégation qui s'est invitée à Conakry, notamment le président Madabio qui était également en Guinée. Donc il y a eu d'abord un accord cadre en amont, aujourd'hui c'est ce protocole qui a été paraffé. Maintenant, l'aspect peut-être le plus important dans cette situation, c'est l'aspect sécuritaire. Parce que n'oubliez pas que nous apprenons finalement à chaque un mois ou deux mois, il y aura une patrouille du côté guinéen mais aussi Sierra Leonaise pour essayer ils vont le faire maintenant continuellement parce que la zone guinéenne c'est souvent il y a Nongoa, il y a également ce qu'on appelle Ourikaba de l'autre côté, le côté guinéen, okay. Nongoa, Ourikaba également pour les Sierra Leone on parle de Pamalap mais également d'une autre zone qu'on peut appeler Laya. Donc Pamalap c'est chez nous. Oui, justement Pamalap. Donc aujourd'hui ces zones vont être inspectées, il y aura une patrouille qui va être mise en place pour cadrer un peu ces zones à chaque deux mois. Donc ça c'est un aspect important. Maintenant au-delà, n'oubliez pas aussi il y a l'aspect politique, ouais. Parce que le président Sierra Leonais, c'est un homme qui est en train d'aller vers une élection. Effectivement. Donc il y avait un rejet qui commençait à s'installer, ouais, au sein de l'opinion nationale. Donc il fallait quand même calmer les ardeurs. Il a besoin d'être réélu. Ouais. Et n'oubliez pas que son vice-président c'est un homme qu'on suspecte d'être en phase avec un opposant guiné. Ouais. Donc il avait besoin d'être élu. Donc au sein de l'opinion nationale, il y avait cette tension qui commençait à monter. Donc l'aspect politique, on ne le dit pas ouvertement, ouais, mais ça a beaucoup pesé dans la balance. C'est l'impression que c'est la diplomatie. Ouais. J'ai l'impression que le président Sierra Leonais était sur une chaise, disons, éjectable. Et donc il est en train de marcher quand même sur des marrons qui est en train de couver. Maintenant, c'est fait. C'est une bonne nouvelle pour la Sierra Leone, mais aussi pour la Guinée. Parce, ouais, que beaucoup disaient, mais qu'est-ce que la Guinée a tiré avec un pays comme la Sierra Leone? N'oubliez pas qu'un pays aussi qui exporte beaucoup, il y a un retour sur l'économie. Ouais. Maintenant, est-ce que ça va faire tache d'huile sur le Sénégal et la Guinée-Bissau? Nous attendons les autorités guinéennes parce que, moi, une fois encore, je m'insurge quand même contre l'inertie de la CEDEAO. Parce qu'un pays, c'est vrai que les décisions nationales sont importantes, mais nous avons ratifié des conventions et les conventions en termes de précision juridique ont une pesanteur sur les lois nationales. Donc il faudrait que la CEDEAO se fasse respecter, ouais, dans la sous-région parce que lorsqu'un chef d'État décide de fermer des frontières avec ses voisins, il viole systématiquement la convention de la CEDEAO qui quand même promeut un peu l'intégration africaine mais aussi l'intégration des personnes. Donc il faudrait que dans l'avenir que la CEDEAO, qu'on a entendu de moins en moins sur la situation et finalement la situation était plus entre deux États, entre une organisation sous-régionale et la Guinée. Donc il faudrait que dans l'avenir la CEDEAO puisse quand même éviter que des pays puissent violer quand même leur intégration avec les autres États. Voilà, Diba Minimono. Allez, Daouda Mohamed Camara, Cour constitutionnelle, ce projet de salaire ambitieux. Oui, effectivement, on a réussi à avoir ce projet de document, ouais, qui n'est pas encore arrivé, certes, au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un travail qui a commencé à la Cour constitutionnelle. Il y a un projet de salaire
qui est en cours de fabrication, on peut le dire ainsi, ouais. Mais des salaires qui ne concernent que l'administration de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, à commencer par le secrétaire général, on l'a nommé tableau de rémunération du personnel administratif de la Cour constitutionnelle. Alors, et ce tableau, il concerne le secrétaire général, le greffier en chef, le directeur de cabinet, le directeur des études et recherches, adjoint et autres, ainsi de suite, jusqu'aux agents de la sécurité. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a à ce niveau? Le président, c'est-à-dire le bureau, n'est pas concerné par cette augmentation. Mais il se trouve que sur ce projet de salaire qui est proposé, le secrétaire général, par exemple, on projette un salaire de 27 millions de francs guinéens, avec la prime de fonctionnement à 13 millions, les frais de logement à 5 millions 700, les primes de transport à 4 millions et le salaire brut qui va être 49 700 000 francs guinéens, RTS exclu, c'est-à-dire 3 millions 976 000 francs guinéens. Donc le secrétaire général, on s'attend à ce qu'il ait 45 millions 724 000 francs guinéens par mois. C'est le projet qui est en cours de fabrication. Alors, qu'est-ce qui a amené à s'intéresser à ce dossier? Parce que on constate aujourd'hui qu'on dit que le pays, on est en manque de ressources, on est pauvre, on ne peut pas s'investir dans d'autres dépenses plus colossales. Qu'on voit un tel projet de salaire, oui. Et qui cela attire beaucoup les attentions pour savoir. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle peut-elle vraiment avoir de plus privilégié que les autres fonctionnaires du pays? C'est vrai que c'est la Cour la plus élevée du pays, mais cela ne veut pas aussi dire qu'elle doit avoir plus de privilèges que les autres. Comment, en acceptant aujourd'hui le passage d'un tel projet de salaire, comment les enseignants qui attendent les 8 millions, comment ils vont réagir, ouais. Comment les médecins vont réagir, comment les autres fonctionnaires qui attendent encore leur prise en charge. On a vu récemment cette tentative de sortie des conservateurs de la nature qui veulent être payés également, qui disent qu'ils ne sont pas pris en charge, et qu'on voit un tel projet d'augmentation des salaires ou un tel projet de salaire, ça amène à se poser beaucoup de questions. Quelles peuvent être les conséquences si vraiment c'était un tel projet passé aujourd'hui? C'est pas parce qu'on est contre, ouais. qu'un travailleur soit bien payé, mais aussi cela doit l'être en parallèle avec les autres fonctionnaires qui peinent à avoir 5 millions par mois, qui peinent à avoir par endroit 3 millions par mois, et qu'on se retrouve avec un salaire de 45 millions et plus, près de 46 millions. C'est vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui. Bien. Daouda Mohamed Camara. Allez, Jacques, allez-y. Une petite réaction parce que le salaire, comme il l'a dit, on aimerait bien que le travailleur guinéen soit bien payé pour qu'il fasse bien son boulot. Et surtout pour la Cour constitutionnelle, je crois que s'il y avait, si vous voulez, le résultat escompté derrière, je crois que les gens allaient applaudir aujourd'hui. Parce que si vous prenez par exemple le salaire du président de la Cour constitutionnelle, lui-même, il est au-delà de 60 millions, c'est quelque chose de 70 millions comme ça. C'est le magistrat le plus payé. Mais vous vous rendez compte, le salaire, au lieu d'être un motif, si vous voulez, un élément qui garantit l'indépendance de l'institution, ça le rend au contraire, ça la rend au contraire dépendante, n'est-ce pas, de l'exécutif, parce que on s'est dit quelque part, ben, l'exécutif a été très gentil avec nous, voilà l'argent qu'on nous offre, au lieu de faire véritablement le travail. Moi, j'ai dit, à partir du moment où le salaire est comme ça, à partir du moment où il y a certaines garanties qui vont au-delà même des magistrats de la Cour, des conseillers de la Cour constitutionnelle, même les magistrats de certains tribunaux, les salaires ont été véritablement augmentés. Mais aujourd'hui, on continue à se poser des questions sur l'indépendance de la justice. C'est vraiment un problème. Allez, en 30 secondes, ma fin. C'est difficile de dire à certaines personnes ou à certaines entités de ne pas vouloir une augmentation, parce que souvent, on constatera que lorsque certains le font, c'est après avoir constaté, si on veut, le mouvement
fond des mannes financières, ils se disent bah ouais, c'est peut-être une possibilité. Toujours est-il que en Guinée aujourd'hui, on n'est pas dans un cadre où l'État demande à tout le monde de serrer la ceinture. Donc évidemment, lorsque certains pensent qu'on peut bien les rémunérer, ils feront la proposition. Mmh. Mais en même temps, ce qu'on demande à cette Cour constitutionnelle, quel que soit le montant, c'est de mériter en fait ce qu'on lui donne. Parce que lorsqu'on entend cette Cour constitutionnelle sur pas mal de questions, on en sort souvent très très déçu. Mais en tout cas, pour l'augmentation, je peux bien les comprendre. C'est vrai que dans un pays, Daouda l'a rappelé, c'est très important, où tout est à refaire, il est important de voir est-ce utile d'accorder cette manne financière à cette entité comme salaire ou autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser dans un pays où, je ne sais pas, c'était à Doubreka, où les enfants sont obligés d'étudier dans un hangar, ou je ne sais pas, à faire avec... Il y a où investir. Mais justement, il faut cette organisation pour que l'argent soit bien redistribué. Mais dans un cadre comme ça, c'est difficile. On voit des mouvements financiers et puis on se dit, qu'est-ce que moi, je pourrais gagner dedans? Bien. Allez, notre dossier enquête. Événement Adafomédia. Le début d'année est difficile. Les affaires sont en baisse. Adafomédia a pensé à vous pour entamer l'année avec enthousiasme. Avec le promo booster, votre spot sur nos radios ou nos télévisions sera diffusé en emplacement préférentiel contextualisé. Êtes-vous prêt à faire de bonnes affaires et associer un second spot créé sur mesure? Les avantages? Avec ce dispositif, Adafomédia s'appuie sur la contextualisation et la répétition pour optimiser l'efficacité de vos produits promotionnels sur Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM et Calac TV. N'hésitez pas, profitez dès maintenant du promo booster Adafomédia. Vous payez un spot et le second est offert pendant 2 mois. Contactez-nous au 00 224 628 06 06 60 sur notre site espacefmguinée.info ou sur Twitter et Facebook. Allez, avec Moïse, avec nous dans ce studio, Moussa Moïse, là, on s'intéresse évidemment à cette saisie de cocaïne, affaire saisie de cocaïne. Donc Fabou passe devant la commission rogatoire. Rogatoire, oui, ouais. C'est la commission rogatoire, faut-il le rappeler, c'est donc un acte juridique qu'un juge prend pour charger un autre juge, un officier de police, dans certaines législations, dans le but d'enquêter, dans le but de fouiller, de vérifier des informations sur un sujet déterminé. Ouais. Donc c'est un acte juridique. Et puisque tous ceux qui mènent cette enquête sont assujettis, bien entendu, à un juge d'instruction, ouais, donc ils sont obligés de se soumettre à la justice. C'est un acte démocratique. C'est-à-dire que c'est vraiment l'expression de l'existence d'un État, d'un État démocratique. Quand on parle d'État de droit, c'est cela. Vous avez 10 policiers qui viennent dans un quartier où il y a 20 000 âmes, 20 000 âmes décident de se soumettre aux 10 policiers, aux injonctions de ces 10 policiers. Ce n'est pas par peur, c'est parce qu'il existe un État. Évidemment, parce qu'il y a la justice. C'est la force publique. Ouais. Voilà, donc ce rappel étant fait, je voudrais signaler que devant cette commission rogatoire, qui est une sorte de contre-enquête, parce qu'il y a une première enquête qui a été faite, qui a présenté à la télévision ces 100 kg de cocaïne, et une contre-enquête est en cours d'exécution, ouais, pour permettre de vérifier tout ce qui a été fait par la première équipe. Est-ce que ce qui a été dit est vrai? Est-ce que tout s'est bien passé? Les procédures ont été respectées? Donc devant cette commission rogatoire sont passés des officiers quand même de police judiciaire, sont passés les commandants des BAC, sont passés les commandants des BAC qui sont concernés bien entendu par le dossier, sont passés également les coordinateurs des BAC, le coordinateur principal et l'adjoint, mais il est passé aussi devant cette commission rogatoire le directeur général adjoint de la police, le numéro 2, celui qui vient juste après Bafoué. Donc c'est quand même... Point de vue, Bafoué n'est pas passé encore. Pas encore parce qu'il n'était pas encore arrivé. On attend son arrivée. Il n'était pas encore arrivé. Mais de par les discours qu'il a, bon, il ne tient pas de discours public, mais il semble dégager de la sérénité. Et c'est normal dans un tel dossier. Mais bien sûr. Alors, donc, hier, c'était le directeur central de la police judiciaire qui était attendu. Et il est venu, effectivement, devant la commission rogatoire. Nous avons donc suivi de près. Et lorsqu'il est arrivé, il n'est pas arrivé seul. Il arrivait accompagné. Bon, je ne veux pas expliquer cela autrement, mais de mon œil de journaliste, je me dis que quand on vient devant la commission rogatoire, où il y a des collègues qui vous attendent, et puis sur un dossier aussi sensible, quand vous venez avec une escorte,
impressionnante, cela pourrait, dans la communication, sera pourrait avoir une certaine ascendance, une certaine influence. Ça peut voilà, donc en tout cas ça représente quelque chose. Ouais, ça projette une image. Voilà, quelles que soient les intentions que l'autre camp peut avoir, mais quand vous venez comme ça, ça parle. En fait, la mine, voilà, décodée. Alors donc, il arrive, mais ça ne se passe pas comme prévu. Pourquoi ? Deux suppositions, deux hypothèses. D'abord parce que la zone au niveau de l'OCAD, c'est là où se tient la commission rogatoire, au siège de l'OCAD à Colère, il y avait eu une grosse coupure d'électricité hier. D'ailleurs, le second point va parler de cela. Donc, est-ce que la coupure d'électricité qui a pris du temps explique le fait qu'il n'ait pas été entendu par la commission rogatoire hier, ou bien ce qu'on a pu voir, c'est ce qui est la vraie raison. C'est-à-dire que il y a eu qu'on peut parler de rififi là-bas hier, une sorte d'altercation, de non suivi de la procédure normale. Donc il n'y a pas eu du tout d'audition. Il n'y a pas eu d'entente. Il n'a pas été entendu par cette commission rogatoire. Il s'en est tiré de là. Avec bien entendu ceux qui l'accompagnaient. Et puis les raisons, je ne sais pas, mais la réaction qui a suivi m'amène à comprendre que ce n'était pas du tout un acte normal. Puisque l'inspecteur général de la justice s'est saisi complètement de cela, parce que nous sommes dans un état qui se veut normal, qui est en train de lutter à l'interne, mais aussi à l'international, pour prouver à l'opinion que ce n'est pas un état narco, que l'État n'a absolument rien à voir dans ce qui s'est passé. Au contraire, il va se battre avec l'aide d'autres policiers et autres pour prouver à l'opinion publique nationale et internationale que c'est lui encore, État guinéen, qui est en train de sortir de ses rangs tous ceux qui se sont mêlés, bien entendu, dans cette histoire de cocaïne. Donc c'est l'État qui fait le nettoyage. Mais si la procédure qui est mise en place n'est pas réellement suivie par tout le monde, si on ne se soumet pas à cela, je pense que ça peut créer des doutes dans la tête de beaucoup d'observateurs. Est-ce qu'il n'y a pas des mains noires derrière ? Est-ce qu'on n'essaie pas de privilégier ? Est-ce qu'on n'essaie pas de banaliser ce dossier ? Pourtant, ça amène à beaucoup de spéculations, voilà, mon cher Moussa. D'énormes risques ont été pris par rapport à ce dossier-là. Bien. Donc, c'est important. On a compris, Moussa. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission, évidemment. Et tu vas exposer le second pan, comme tu le dis. On parlera politique aussi. Faya Milimone est dans le loco. Mama Diabaté, la biche du Mandingue. Nos deux invités, évidemment, dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Le temps de revenir à 10h avec vos réactions évidemment sur Twitter et aussi sur le 657 39 13 13, le numéro de téléphone qu'il faut composer si vous nous écoutez à la radio. On revient à 10h. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.